en question. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. Before the chamber hands over the floor to the defense team for Mr. Nguyen Chia, à la défense de Nguyen Chia, to resume the questioning, pour poursuivre son interrogatoire, the chamber now issue its oral ruling in relation sa décision orale to the objection concernant l'objection before the break time in relation to the questioning of this witness. The ruling is to ensure that the proceeding in relation to questioning goes smoothly. La procédure to deal with the issue, the chamber now hand over the floor to Judge Lavergne. You may now proceed, Judge Lavergne. Vous pouvez prendre la parole pour rendre la décision. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Donc, President. Ce matin, Maître Copé a fait référence morning, aux déclarations d'une personne dénommée Anne Sopip. Anne Sopip avait fait l'objet d'une interview par l'organisation DCCA. Ces déclarations concernaient l'existence d'un éventuel projet d'attentat contre Pol Pot, attentat qui aurait été fomenté par Sao Pim et d'autres cadres de la zone Est. Le procureur a indiqué que la source des informations d'Anne Sopip étaient des aveux de personnes arrêtées et détenues à S21. Revu l'interview de Anne Sopip, la Chambre note que l'intéressé a effectivement déclaré qu'elle était au courant que les gens de la zone Est étaient à l'origine de certains événements parce que ces gens avaient été arrêtés et avaient avoué. Cependant, la Chambre ne peut, à ce stade de la procédure, déterminer de façon certaine que les informations d'Anne Sopip, que sa connaissance, ont pour origine des aveux provenant de S21. Elle peut uniquement dire que l'origine de telles informations est incertaine et peu claire. Pour autant, cette précision étant donnée, elle autorise la défense de Nguyen The chamber authorizes the counsel for Nguyen Chia to ask questions that they put to the witness this morning. President. Le président. Thank you. Merci. Good afternoon, Mr. Witness. Are you ready now? Bonjour, Monsieur le témoin. Êtes-vous prêt? Witness. Yes, I am ready, Mr. President. Oui, je le suis, Monsieur le président. President. The floor is now handed over to the defense team for Mr. Nguyen Chia to resume the questioning. À la défense you may now have the floor. Pour poursuivre l'interrogatoire. Maître, vous avez you, la parole. President. Merci, Monsieur le Président. De la défense. I return to the DC CAM statement of avant PIP, maybe, de revenir à la déclaration de PIP devant le CDCAM, je vais terminer le sujet que j'ai abordé avec le témoin avant la pause pour que pour la cohésion Mr. Witness, de la transcription. Bonjour, Monsieur le témoin, vous êtes toujours là? I am très éloigné. Witness, I am ready now, le counsel. Témoin, je suis prêt, maître. Thank you, Mr. Witness. La défense, before merci. The break, we were speaking Monsieur about, le témoin, avant la pause, the three different categories, nous parlions des trois différentes catégories prisoners within de prisonniers et qui se trouvaient à Hokkan Seng. I have one follow-up question. J'ai une question de suivi. In this respect, have you ever heard at around avez-vous déjà entendu dire 1978 vers juin 1978, des directives of the Communist Party of Kampuchea, du comité central du PCK the party's policy, relative à la politique du parti misled persons, envers la personne induite en erreur. Of being traitors, ce sont des personnes accusées d'être des traîtres
Vietnam or possibly nous travaillons soit pour CIA le Vietnam, slash, the Americans. Pour les Américains, there was a whole, ou la CIA. New guideline as to how il y a eu to treat de nouvelles directives people who were implicated. Sur le traitement réservé aux personnes mises en cause. Est-ce que de telles directives vous sont familières, des directives de juin 1978? Answer, I knew, I was aware of this guideline from SAI. And can you tell us what you did after June 20, 1978 to implement this guideline? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait après le 20 juin 1978 pour mettre en œuvre cette directive? The people que s'est-il passé au Kansang and subsequently detained? Concernant les personnes qui s'y trouvaient et qui avaient été détenues par la suite. Answer. From that time onward, réponse 1. À partir de cette date, the minor prisoners were allowed to go to work at a far location. As I informed the chamber yesterday, they were allowed to go to the field along Road 19, close to the border. Le long de la route de 19, près de la frontière. But do you remember whether there was was an evaluation of each vous and every prisoner detained de chaque at the prisonnier. Moment this détenu this guidance of the Central Committee of the CPK au came moment out. Où les directives du comité central du PCK avaient été émises, avez-vous discuté avec d'autres who was detained at that time? De chacun des prisonniers qui étaient détenus à l'époque? Answer. Réponse. I did not happen to talk to those people. Je n'avais pas pu parler à ces personnes. But how was this new guideline implemented? The guideline to be much more lenient toward people who were considered before that guideline qui étaient moins as having committed treason. Envers des personnes accusées de trahison avant la mise en œuvre de ces directives. Qu'avez-vous fait pour vous assurer que de telles directives étaient mises en œuvre de manière adéquate à Ho Khan Seng? Answer. In relation to the implementation of the guideline, it was more lenient. That is to say, food ration has to be provided to prisoners sufficiently in an appropriate manner. And the prisoners who went to work with me at Coop Cong were allowed to eat whatever they found. And we were allowed to eat in a communal manner. Et nous prenions nos repas collectivement. I will move on. I'm not entirely sure if I fully understand je vais answer. Passer à autre chose. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre réponse. Let me now turn to the subject of release of prisoners. Passons maintenant à la libération des prisonniers. You said that more toward 1979 prisoners were released. Vous avez dit que vers 1979 les prisonniers étaient libérés. Once you found out after interrogating a prisoner après that he had no connections or that he wasn't involved in any forms of treason, qu'il n'avait aucun lien, would ni n'était impliqué then dans be released or would they still ces prisonniers étaient-ils libérés? Be detained at Ho Khan Seng? Ou étaient-ils maintenus en détention à Ho Khan Seng? Answer. Some
for réponse. The remainder of the prisoners, they were released to go to work. Le reste des prisonniers étaient libérés pour aller travailler. Let me read to you je vais vous lire un extrait from Chamsay. De Chamsay. E3/407 is answer to question 6. Il répond à la question 6. I just want to make sure that you're saying what he is saying too. Je vais juste m'assurer que vos propos correspondent à sa déclaration. Et vous allez nous donner votre réaction. So he says here, sometimes Tassaroun called me to meet with him. Pour le rencontrer. There, he instructed me to examine the people who had been implicated carefully. D'examiner les personnes qui étaient mises en cause. After being examined, de les examiner attentivement. Et si après examen, on trouvait que les prisonniers n'avaient pas de connexion réelle, ils étaient réformés, rééduqués et libérés. Who were found pour ce to have qui a real connection, est des prisonniers dont il était établi qu'ils avaient des connexions réelles, ils restaient en détention. Je ne sais pas à qui appartenaient les aveux que j'avais reçus. Mr. Witness Chamsay seems to be speaking about people after being examined. Des personnes qui, they were re-educated and then they were released. Avaient été rééduquées puis libérées. Released in I suppose in a normal understanding of the word would be that these people would be sent back to the villages normal, or the cooperatives. Ce signifiait à dire qu'ils étaient renvoyés dans leur village ou leur coopérative. Pour vous, use that word. Qu'entendez-vous par libérer? Quelle signification donnez-vous à ce terme? Regarding the released in that period, they were released to work within the compound of Okansang Security Center. Du centre de sécurité d'Okansang. The release was applied to those who, the prisoners who had minor offenses. Des prisonniers de régime léger qui avaient commis des infractions mineures étaient libérés. Well. Let me now move on to the subject. La défense, très bien. From before the lunch break. Je vais revenir au sujet abordé avant la pause déjeuner. That is PIPS. Monsieur le témoin. Statement to il s'agissait de la déclaration de PIP au CDCAM. Just to refresh your memory, let me read again the excerpt that I had originally put to you. Que je vous avais soumis I'm going to read initialement. Her statement and then I will ask je vais lire your reaction. Sa déclaration et vous demander de réagir. To be clear, Mr. President, this is E319/23.4.1, English ERN 0107 9524. And Khmer 0093-2019. So this is what Deep tells the DCCAM investigator. Voici ce que Deep dit aux enquêteurs du CDCAM. Division 14 controlled the Royal Palace. Contrôlait le palais royal. Other places were also controlled by Division 14. Par la Division 14. Pol Pot trusted Thassan very much faisait because Thassan's division énormément parce took que la care division of his security and safety. Prenait soin ou assurait sa sécurité et sa sûreté. Actually wanted to destroy Pol Pot voulait, from the time en fait, of the victory Pol Pot over Phnom Penh. Dès However, la prise de Phnom Penh, there were Thassan toutefois, and Tarun. Il y avait Thassan et Tarun. Question, those question. Two Ta? Answer yes. Réponse oui. And then Chamsay enters plus loin, the conversation. And he says, termine la conversation Saopim en disant, held a bigger position in the party. Avait une position élevée and au sein his du wife parti. Says they did not get on well after the victory. Ils ne s'entendaient pas bien après la victoire. Yes, question. From 1975. Dès 1975, réponse oui, dès 1975. Can you please give a reaction, pouvez-vous, Monsieur le témoin, réagir from Pip à cette déclaration de Pip et de son époux, Chamsay?
Answer. Réponse. I know that Pip was Chamsa's wife. Je sais que Pip était l'épouse de Chamsa. She was a medic. Elle était médecin. In a company. Dans une compagnie. Regarding her testimony. En ce qui concerne sa déclaration. I think that her testimony is a bit abroad. She may have known much more than me. Est vague. Et elle a l'air d'en savoir and plus que moi. It is the recollection of what happened in that period. It is confined to her recollection and story. De cette so période, I do not know son about expérience, what son she described. Et je ne sais pas ce qu'elle est en train de décrire. Very well. Let me see if I read to you a few more specific excerpts. La défense, si je vous lis d'autres maybe extraits, that is something that you précis. Heard at the time from other division peut-être members. Que c'est des choses que vous avez entendu dire she talks, par d'autres membres de two division. Pages down, deux pages plus loin. English ERN 010795526. En anglais, en Khmer, 0093-2021. Elle parle des gardes du corps de Pol Pot. Division 801's role in protecting et le rôle de la division 801. Pol Pot and delivering the bodyguards. Qui assurait la sécurité de Pol Pot et assignait les Say gardes du corps. His bodyguards dit, around him, ses gardes du corps, autour de lui, Pol Pot, il y en avait trois ou quatre. Peep. His Peep. Bodyguards and people from our ses gardes division. Du corps étaient des personnes de notre division. Say, he only went around with the division. He dared not il go outside. Allait he avec did les not membres trust de la division, others. Il ne sortait pas, il ne faisait and confiance from à personne d'autre. Was question there de signs that someone y avait-il des signes que des personnes then voulaient le tuer? Says, répond, il y a eu deux ou trois explosions already, déjà, mais later il était en sécurité. His messenger was injured. Plus tard, son messager those a été blessé. Him. Ces personnes l'avaient protégé. When did the explosions happen? Do you remember? Quand near se sont produites Penh. Les explosions, vous en souvenez-vous? Réponse, près de Phnom Penh. Mr. Witness, here Monsieur again, le témoin, Chamsay une fois encore, Peep, her, Chamsay his wife, et Peep, both belonging to the same division as you, qui appartiennent à la même division about, dont vous relevez. People, soldiers trying to kill on parlait des soldats qui essayaient de tuer Pol Pot. Been two or three explosions et in Phnom Penh, il y avait déjà eu deux ou trois explosions à Phnom Penh, injuring a messenger. Au cours desquelles un messager avait été blessé. Avez-vous entendu Penh, parler des explosions à Phnom Penh, to assassinate Pol Pot? Des tentatives d'assassinat de Pol Pot? Answer. After the liberation réponse, of après la libération, 17 April 1975, I was living and working in je vivais, Divisional Headquarters 701. I was not there de la division, the whole 12 months. Je n'étais pas là pendant I had 12 mois. To go and perform my tasks in je devais aller Ratnakiri province. M'acquitter while de ma mission I was at the headquarters, I alors que have j'étais never au siège, heard about the gunshots je n'ai jamais entendu parler de fusillade ni d'explosion tel qu'il est décrit dans le document. On that very same page, à cette même page, Chamsay talks about shootings parle and conflicts des fusillades, de la being fusillade broken out at the Olympic Stadium. He says literally the following, Olympique. Il dit yes, littéralement ce qui suit, oui. The second and third conflicts broke out at le Olympic deuxième et Stadium, troisième conflit but bullets avait were not éclaté fired. Au stade olympique, the bodyguards mais il avait were pas quite eu protective. De tir par balle. That was because les, body, of, les gardes du corps pardon, avaient réussi à le protéger. Et c'était à cause de APIM, le méprisable you APIM. Mentioned earlier, this morning, Mr. Witness, vous that avez your dit tantôt ce matin que hosting a big meeting votre division in the Olympic Stadium. Avait organisé you un grand rassemblement au stade olympique. Vous n'étiez pas
actif, vous-même, vous n'avez pas participé, mais avez-vous entendu parler de violence, de conflits qui auraient éclaté au stade olympique? Answer, as I told the court earlier, comme je l'ai dit, After the liberation, up to the day that I left Phnom Penh to another location, I have never heard any explosions as told by explosion, comme l'affirme C. And then the last example, that's la défense. The page, dernier exemple. One English page further, 0107952-7. And Khmer 0092-2-2 en Khmer presumably moves in time 1 year, going to 1977. Nous sommes ici à l'année 1977, un an plus tard. Says, il dit ce qui suit. The following, and I quote, the je one cite, who was arrested was a celui skilled qui avait été arrêté shooter. Était he could un tireur any target habile. He wanted. Il pouvait viser et atteindre toute cible qu'il voulait. Toutefois, il n'avait pas pu tuer Pol Pot lorsque ce dernier faisait une déclaration sur l'existence du Parti communiste du Kampuchea. Pol Pot, the evidence shows, made this statement il ressort de la preuve que Pol Pot a fait cette déclaration en septembre 1977. Avez-vous entendu parler d'une tentative manquée d'assassinat de Pol Pot lorsqu'il a fait une déclaration sur l'existence du PCK? Answer. Réponse. In mid, early or late 1977, au milieu de l'année 1977, ou vers la fin de l'année 1977, live and worked in Okansai Security Center in March. En mars 1977. He moved to Ratnakiri to be in charge of Organized Security Center. How could he learn about what happened in Phnom Penh? I do not really understand his account. Comment pouvait-il savoir ce qui se passait à Phnom Penh? Je ne comprends well, pas sa version hopefully we'll be able to ask him this very question. Peut-être qu'on aura l'occasion de lui poser cette même question à un moment donné. Let me now move back to Okanseng. Permettez-moi, monsieur le témoin, de revenir à Okanseng. And that's your earlier testimony as to the number vous avez of parlé tantôt prisoners. Du nombre de prisonniers. You said today that you cannot really recall vous avez dit aujourd'hui the exact number, ne pas vous rappeler des more chiffres than 100, exacts. Maybe less vous avez than, parlé d'une 200. Centaine et moins de 200 détenus. Let me confront you with what Chamsay told the investigators or the co-investigating judge, E3/405, question and answer, A8. Question-réponse 8. He talked about approximately 50 to 70 prisoners de 50 à 70 in early 77. And throughout 77, au début de l'année 1977 et tout au long de cette année-là. He says that by 1978, the number of prisoners had increased le nombre de to more than 100. Avait augmenté à plus d'une centaine en 1978. Would you be in a position to say whether his estimate pouvez-vous, monsieur le témoin, dire si son estimation would be an accurate à savoir entre estimate. 50 et 70 prisonniers serait une estimation exacte. Answer. Réponse. It is my understanding that the testimony of Cham Sai que la déposition de Cham Sai is another account
He had overall supervision at the center. I was simply a member of the center. Et moi, je n'étais qu'un simple Therefore, membre. I do not know the exact number je of prisoners in the center. Quel était le I was simply a member and centre. Tasked with je n'étais qu'un simple membre taking notes of the confession. Chargé de recueillir les confessions et de prendre des notes. I understand, Mr. Witness, la défense, je comprends, you Monsieur were témoin. The number two or number Mais three, vous étiez numéro 2 ou numéro 3. In the hierarchy, dans la hiérarchie people in charge of that security center, des responsables de ce centre de sécurité. You were walking, and there every day, you were working there every day. On présume que vous y travailliez tous les jours. Is his estimate about right? Or is it, cette estimation est-elle plus ou moins exacte? Or is it too many? Can you give us est-ce some que ce chiffre est trop élevé, est trop élevé own? Ou trop peu? Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation à vous? Answer, I told the réponse. Estimated figure already to the court. J'ai déjà cité compared un chiffre my estimate to that of Chai, the number appears si on compare mes chiffres not avec much ceux different from de Chai, one another. Il n'y a apparemment pas grande différence. Now yesterday Question. You said that your recollection about maybe 10 people vous avez dit vous souvenir d'une dizaine de personnes ayant été 77 and 78 arrêtées, placées en détention en 77 et 78 et qui malaria or sont dysentria. Peut-être mortes de dysenterie ou de paludisme. Do you recall who these people were? Can you d'après vos souvenirs, qui étaient ces gens from these 10 people, parmi ces 10 personnes that might have died because vous of malaria souvenez-vous or de quelqu'un qui aurait pu mourir de paludisme ou de dysenterie? Answer, I cannot recall the name. Je ne me souviens d'aucun nom. I cannot recall those names. What I can recall is that they were from je me souviens unions. Seulement qu'ils I'm sorry, I cannot recall their des syndicats, names. Mais je ne me souviens pas de leur nom. How were you able to establish comment that avez-vous pu déterminer said, que ces gens dont vous dites qu'ils sont morts de paludisme sont morts parce qu'ils ont été infectés au centre de sécurité? N'était-il pas possible que certains aient déjà contracté le paludisme, par exemple, à la plantation des verres? Réponse. Malaria was a common disease. Le paludisme était une maladie très répandue dans le Ratanakiri. Moi-même, je l'ai attrapé. And if the treatment was not proper, si le traitement n'était pas approprié, le malade mourrait. But question. You as the number cependant, two or three were responsible vous étiez for the proper numéro 2 ou numéro 3, vous étiez donc responsable de veiller à ce que soient dûment traités les malades atteints de paludisme, n'est-ce pas? Tim was the réponse. Deputy Tim to Sai. Était l'adjoint de Sai. And he was in charge of the security. Il était chargé de la sécurité à Okansang. So he and Sai knew c'est more about Sai the qui en savait davantage meeting.
sur la santé des détenus et leur bien-être. I simply made a record of the or take note of the confessions or responses of the prisoners. Les aveux des prisonniers et leurs réponses. Let me try it differently, question. Mr. Witness. Je vais essayer autrement. You said that you yourself vous dites had malaria. Que vous avez vous-même contracté le paludisme. When were you infected with à quel malaria? Moment was avez-vous that attrapé cette maladie? Avant 75? I had a malaria after I arrived in Ratanakiri province. Après mon arrivée dans la province du Ratanakiri. So first I had a diarrhea and then malaria. J'avais la diarrhée puis j'ai attrapé and le paludisme. Did you do to treat question. Comment vous êtes-vous soigné malaria, après avoir attrapé le paludisme et la diarrhée? The medicine that the medic gave you in order les aides-soignants vous donnaient quels médicaments pour vous rétablir? Before I left Phnom Penh for Ratanakiri, avant de quitter Phnom Penh pour gagner le Ratanakiri, I received information through the dissemination at the division that Ratanakiri was infested with selon malaria. Quoi, les divisions du Ratanakiri so then I tried étaient touchées to par le paludisme. Obtain, some medicines, j'ai donc essayé de me procurer des médicaments in the preparation for my trip dans to l'optique Ratanakiri de mon province, voyage vers le Ratanakiri. I had some, quinine j'ai chlorophine pris de la quinine, with me, de la chlorophine que j'ai emportée. And actually, there were some people who had knowledge in the medicine at the et au quartier général, il y avait des gens qui s'y connaissaient en médicaments. Let me ask it more question. Je vais poser la question plus largement. Was vous dites malaria. Que la, le Ratanakiri était infesté one of the par guards le paludisme. Okanseng, si un agent de sécurité d'Okanseng ou un autre membre de la division 801 and got sick from malaria, attrapait le paludisme, what kind of treatment would this person get? Quel type de traitement le malade pouvait-il obtenir? Réponse. The person would be treated by a la medic personne était traitée who was par un aide-soignant qui était sur place center. Au centre de sécurité. Was that the same medic that also question, treated était-ce the prisoners, le même aide-soignant que celui malaria. Qui soignait les prisonniers atteints de malaria? Yes, the person réponse. Who was oui. Competent in the medical treatment provided the c'était treatment la personne to both qui s'y connaissait en médicaments et qui soignait tant les détenus que les employés. And did this medic question. Also give the same c'était de soignant to prisoners as to donnait-il security guards when le même traitement aux prisonniers qu'aux agents de sécurité quand les uns et les autres attrapaient la dysenterie. When a réponse. Prisoner got sick, quand un prisonnier tombait malade, would give, l'aide-soignant medicine to that, detainee. Lui donnait des médicaments. The medicine was homemade by the des médicaments division. Artisanaux however, fabriqués par la division. We also had some toutefois, modern medicine nous avions aussi des médicaments modernes provided to us by qui battalion nous étaient fournis par le bataillon 806. Question. Well, is it fair to say that whenever a prisoner got peut-on sick, dire from que lorsqu'un malaria, prisonnier tombait malade, he or she malaria ou dysenterie,
would get the same treatment il recevait le même traitement qu'un membre du personnel de sécurité ou tout autre membre du personnel de 801? But, réponse. Yes, c'est that exact. Is correct. You said question. Ratanakiri was infested vous with dites malaria. Que le Ratanakiri était infesté par la malaria. People within the Division 801, dans la division 801, or anybody, any cadre who was stationed y a-t-il eu des cadres qui étaient stationnés dans le Ratanakiri was there a large number that died of malaria et qui seraient morts de malaria? Est-ce que beaucoup de gens well? Sont morts de malaria faute de traitement, notamment parmi les soldats de la division 801? Réponse. Soldiers and all the regiments who were stationed, les soldats des régiments stationnés namely, regiment 81, là-bas, 82, en particulier 83, les régiments 80, 82, 83. Many of them had malaria ont attrapé la malaria en grand nombre so en 76 et 77. Ils ont donc dû être traités and à l'hôpital de Banlong. Of them died beaucoup d'entre eux malaria. Sont morts de la malaria. So would it be fair to say question. That dying peut-on from dire, dès lors, in the had nothing to do with que the les gens qui sont morts de malaria such, but just en prison sont morts non pas à cause des conditions qui prévalaient dans la prison, mais bien à cause de la présence très forte de la malaria dans cette province. Yes. Réponse. C'est exact. Would you agree with question. Me that the same applies conviendriez-vous que ceci vaut aussi pour la dysenterie que l'on attrape unclean water? Lorsqu'on a consommé de l'eau insalubre? Réponse. As for dysentery, the cause of dysentery was la dysenterie virus était provoquée par des virus des water, parasites and, qui se trouvaient dans de l'eau non bouillie. C'est ça qui provoquait dysentery. Cette maladie. I understand question. That. That's what you testified je comprends to bien, this morning, but c'est ce que vous avez dit ce matin. Is it correct that Division 801 soldiers est-ce que les soldats de la division 801 sometimes died, because of mouraient dysenteria? Aussi parfois de dysenterie? Est-il exact de l'affirmer? Réponse. The most challenging disease facing soldiers pour les soldats, in late 76 and fin 76 et en 77, la maladie la plus problématique, malaria, c'était la malaria. Many soldiers had that. D'ailleurs, beaucoup de soldats l'ont attrapé. Question. Let me move on because of the time, Mr. Witness. Is it correct that at one point in je passe à la suite, faute d'avoir plus de temps. Prisoners est-il exact qu'à un moment donné, des prisonniers se sont enfuis d'Okanseng? Réponse, yes, that is c'est correct. Exact. That's what I stated yesterday. C'est ce que j'ai dit hier. One prisoner un prisonnier from a pris la Okanseng fuite du centre d'Okanseng. A village nearby il a gagné un village by those situé à proximité. Il a été arrêté par les villageois et ramené au centre. That is indeed, question. The example that you gave, c'est effectivement l'exemple que vous avez cité. Multiple amount of n'y a-t-il pas eu un grand nombre d'évasions et pas seulement une, ou bien n'y a-t-il eu qu'un cas de ce type?
to my recollection, there was this pour autant que je me souvienne, il y a eu ce cas Mao escaped, du prisonnier Mao qui s'est évadé. Event il y a eu un autre incident. C'est un prisonnier qui a aussi pris la fuite, mais son nom n'échappe. Il y a aussi eu un prisonnier Jirai qui a pris la fuite, mais il a été capturé à nouveau. Thank you. An additional question to the prisoners or the people who were allowed concernant to work outside, les gens to, qui pouvaient travailler à l'extérieur pour cultiver des légumes, des pommes de terre. The people that were working outside, were they allowed ces gens also to eat, étaient-ils aussi autorisés à consommer les légumes, les pommes de terre qu'ils cultivaient? En réalité, les pommes de terre, les pommes de terre, les légumes qu'ils cultivaient étaient censés être employés à la cuisine du centre d'Okanseng. Question. L'essentiel de l'alimentation provenait-il the prisoners grew. Des potagers dont s'occupaient les prisonniers, là où ils cultivaient pommes de terre et autres légumes. Réponse. The rice was given to us from the division. La division nous fournissait le riz. We also have MSG and fermented fish. Nous avions aussi du poisson we also have fermenté, vegetables and potatoes, potatoes, des pommes de terre, des légumes. And in fact, the rice given to us was not sufficient, so we had to mix the le riz que nous recevions potatoes ne suffisait pas, rice. Il fallait le mélanger à des pommes de terre. And we consumed those vegetables et and the potatoes that they grew. Donc, ces pommes de terre et autres légumes qui étaient cultivés sur place. Question. Potatoes and vegetables, etc., ces légumes, that, was grown, ces pommes de terre et autres qui étaient cultivés on the compound of Okanseng. Was that dans l'enceinte d'Okanseng, suffisait-il pour nourrir tout le monde, et pas seulement les gardes, mais également les prisonniers? As for the vegetable, sometimes we had a surplus, parfois, so il y avait un surplus we de légumes. Actually delivered it to the division. Dans ce cas-là, nous and le sometimes, remettions à la division, to the soldiers ou encore at the, parfois aux soldats sur le champ de bataille. So is it then question. Fair for me to say that, puis-je donc affirmer within Okanseng, both prisoners and qu'à Okanseng, security personnel tant les détenus que le personnel avait assez à manger? Le président, monsieur le témoin, veuillez patienter. La parole est à l'accusation. Merci, c'est une question qui est formulée de manière vague et générale. Je ne suis pas sûr que les fondements aient été établis pour pouvoir poser une question. Il prend la forme d'une conclusion. Déjà parce qu'il y avait différents types de détenus, because, first of all, there were different kinds of prisoners with different regimes. Some were subjected to harsh treatment. Some were subjected to less severe treatment. So it's not sure that the prisoners subjected to severe treatment so you should maybe put the question regarding the quantity that was offered or the physical appearance of the prisoners in order to conclude whether or not they had enough to eat. There was a lot of testimony about this. People speak about skeletal appearance, so maybe you should make the witness provide more detail about the physical appearance of the prisoners before drawing the conclusion of whether or not they had enough to eat. La défense. I'm not sure how to react to this. Je ne sais pas comment réagir.
à cette objection. C'est moi qui suis en train de contre-interroger le témoin. Je pense avoir le droit de poser la question au témoin, puisqu'il était responsable d'Okan Seng. La question est très simple. D'après ses souvenirs, le personnel et les détenus, je lui demande si, d'après souvenir, le personnel et les détenus avaient assez à manger. Le président. It is my view that the nature of your last question is leading. Maître, votre dernière question me semble tendancieuse. And you do not give the witness an option. Vous n'avez pas laissé au témoin le choix de sa réponse. Veuillez reformuler. A leading type is not used. Ne posez pas de questions orientées. La défense. Je vais reformuler en deux options, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Monsieur le témoin, d'après vos souvenirs, les prisonniers et le personnel de sécurité avaient-ils assez à manger ou pas? Réponse. Prisoners and guards had the same food. Les prisonniers et les gardiens avaient la même ration alimentaire. Maybe a little bit less or more. À peu de choses près. En gros, c'était pareil. Just to be sure, did question. Your guards ever complain to vos you gardiens that they didn't have se sont-ils food? Jamais plaints du manque de nourriture? Réponse. Guards, never les gardes for, ne se sont of jamais food. Plaints d'un manque de nourriture. And if the guards had more or less the same food si as les gardes the avaient plus ou moins les mêmes quantités de nourriture que les prisonniers, puis-je affirmer the prisoners had enough que to les détenus as well? Avaient eux aussi assez à manger? Réponse. Except those prisoners who à l'exception des prisonniers ill, qui étaient gravement malades, could not eat. Au point de ne pas pouvoir manger. Of course, I understand la défense, that. Bien entendu, je comprends bien. It's difficult to eat when you're very sick. Il est difficile de manger quand on let est très malade. On, Mr. Witness, to je one vais passer small issue. À une question mineure. There was a witness who came to testify un témoin here, a été entendu ici même, en réalité deux témoins, lesquels ont été détenus à Okan Seng. They talked about a story of a gallbladder. Ils ont raconté in the kitchen, qu'il y avait une vésicule biliaire qui était suspendue dans la cuisine, to scare people. Supposément pour effrayer in les gens. Avez-vous entendu parler de cela à la prison? Réponse. I did not know anything about that. Je ne sais rien de tel. More specifically, question. Plus précisément, Knock. Un garde de sécurité du nom de Knock hanging in the kitchen, something that might have been a human gallbladder, aurait suspendu dans la cuisine quelque chose qui aurait pu être une vésicule biliaire humaine, human et ce pour effrayer les gens. Et il aurait affirmé qu'il avait l'habitude de manger ces vésicules. Avez-vous jamais entendu quelque chose de tel dans votre prison? At Okan Seng Security Center, au centre de sécurité d'Okan Seng, during
late 1978 or early 1979. Fin 78 et début 79. A prisoner from the était un union. Prisonnier venu du syndicat. With a few others to lay lui traps to catch a wild boar who installait des pièges pour attraper des cochons sauvages qui venaient détruire les cultures et les pommes de terre cultivées. En général, that's ils attrapaient un ou deux cochons sauvages. About human voilà tout ce que je bladder. Sais, mais je n'ai jamais rien entendu concernant des vésicules biliaires humaines. Thank you, Mr. Witness. I will move on to the next subject. Yesterday, you were asked a question about prisoners doing certain jobs sur certaines tâches to assist accomplies the security par les détenus. Guards. Qui I'm not quite sure whether your answer was very clear to me. But do you know whether prisoners were ever used? Mais savez-vous si des prisonniers ont jamais été utilisés? To guard certain areas, pour surveiller guard, certaines zones, and pour y monter la garde, replacing, en remplacement the security guards in their functions. Des gardiens de sécurité. They could assist during ils the night shift. That is, they would assist apporter those une assistance aux gardes who pendant la nuit. Turn was at night. Les gardes qui étaient de faction la nuit. However, there were only a few néanmoins, of them who assisted the guard in their night shift. Ont prêté main forte aux gardes pendant and leur service de nuit. Question. Vous souvenez-vous qui étaient ces gens? Quels prisonniers? Réponse. There were Tin, un certain Tin, Thon, and Sir. Et Sir was a former ce dernier medic from the division. Était un ancien infirmier de la division. Thank you. Question. Now let merci, me Monsieur le Témoin. Move on to what I believe will be my à last présent, je passe subject. Au dernier thème, is, je pense. The fate of the à savoir, 100 or so Jirai, le sort qu'ont connu les 100 Jirai. Yesterday, you were asked questions environ. By hier, the prosecution relation l'accusation to the Jirai, vous a interrogé sur les Jirai. And at around 15:38 in the afternoon. You said, vers 15h38, vous avez dit ceci, je cite. I assume that perhaps the je ethnic Jirai suppose had been killed que les Jirai ont dû être location, tués being, à cet endroit, meaning the jackfruit location. Autrement dit, la plantation de jackfruit. So you're saying, so I assume vous dites, je suppose que les Jirai ont peut-être été tués à cet endroit. Est-ce effectivement ce que vous avez dit et que vous vouliez dire hier? My testimony yesterday réponse. Was the truth about hier, what happened j'ai to dit the la vérité Jirai people. Sur ces Jirai. Et sur ce qui leur est arrivé. Let me try it differently. Question. Je vais essayer de procéder différemment. Were you yourself, vous-même,
involved in the actual killing avez-vous participé of those Jirai people? À l'exécution de ces Jarai? With a weapon or any other à l'aide means, d'une arme physically, ou autrement, avez-vous physiquement or were involved in the physical act of killing participé of those à l'exécution de ces Jarai? Duty Council, Mr. President, may I? Okay. President, yes. Le président. You may proceed. Allez-y, Duty maître. Counsel, l'avocat du témoin. This question is to incriminate cette question my client. So présente my un risque d'incrimination pour mon client. Ce dernier that. Ne saurait donc y répondre. President, Duty Counsel, please consult with your client maître, to get veuillez his consulter votre client it is not you who et recueillir ses instructions. Ce n'est that, pas à vous you, de décider does not need to respond. Que votre client n'a pas à répondre. You are there to consult vous with êtes him là and to pour take consulter his instructions. Votre client please, et pour respecter ses instructions. Veuillez le consulter et informer la Chambre du résultat de ces consultations et de la décision du témoin lui-même. Duty Counsel, thank you, Mr. President. L'avocat du témoin. Merci, Monsieur le Président. Witness. Le témoin. I never personally commit Je n'ai jamais any act personnellement of killing any human being. Mis à mort un être humain. Did you, question. With your own eyes, see avez-vous vu de vos propres yeux physical killing of the Jirai l'exécution physique in front of you? De Jarai? Did you see people avez-vous vu killing the Jirai, des gens tuer ces in front of you Jirai or close sous vos you, yeux so that you ou près could de physically vous witness it? De façon à ce que vous ayez pu être physiquement témoin d'une telle scène? No, I did not. Réponse. Non, je n'ai pas vécu une telle scène. Question. Order anyone avez-vous ordonné to physically kill à qui que ce soit those Jirai? Did you d'exécuter give a military physiquement order or any matériellement order ces Jirai? Avez-vous donné un ordre militaire ou de tout autre type à une quelconque personne d'exécuter ces Jirai? Witness, please hold on. Le président, veuillez patienter, monsieur le témoin. You have the floor. L'accusation a la parole. Merci, monsieur le président. C'est une question répétitive. Mr. President. Hier, le témoin a bien dit qu'il avait une réunion avec Sosarin. Yesterday, the witness said that he had a meeting with Sosarin. During which Sosarin said to say unto the witness that they had to take measures and that taking measures écraser les Jarai meant et dans l'extrait que j'avais lu, qui a été confirmé par les témoins, il a été dit qu'en de retour à Okansing, des ordres ont été donnés pour que les Jarai ne soient effectivement tués. Je pense que c'est une question qui est répétitive. That is why I think this question is repetitive. It's not at all repetitive, Mr. President. Cette question n'est pas du tout répétitive, c'est la défense. Presumably a meeting where le témoin a parlé d'une réunion supposée où on a parlé du sort et du traitement réservé aux Jarai so et des mesures à mettre en œuvre si de telles mesures avaient été évoquées. Ma question n'a pas trait aux conversations qu'aurait eu le témoin avec d'autres personnes, mais a plutôt trait aux ordres qui avaient été donnés verbalement ou par écrit aux personnes qui avaient physiquement exécuté ces Jarai. C'était là la nature de ma question. Mr. Witness, please respond to the question if you wish to do so. Si vous le souhaitez. In case you exercise your right not to respond because of the nature of the question which may incriminate you, that qui est susceptible de vous incriminer,
you committed the crime, you have the right to say so. So it depends on you to answer or not. You have the duty counsel with you over there, and please consult with your duty counsel whether or not you want to answer the question. Et décider si oui ou non vous voulez répondre à cette question. Witness, could le témoin. Counsel repeat the question once again? I do not la really get it. Peut-elle reprendre la question? Je ne l'ai pas bien saisi. No problem, Mr. Witness. La défense, pas de problème, Monsieur le témoin. The evidence seems to suggest that. Les éléments de preuve semblent indiquer que le Jirai détenu à Hokan Seng aurait été tué. Vous n'avez pas été témoin de ces exécutions. Mais se pourrait-il que les personnes qui ont effectué ces exécutions aient reçu des instructions ou des ordres? Je vous demande donc si c'était vous qui avez ordonné l'exécution de ces Jirai. President, le président. So what is your decision? What is your decision, Mr. Witness? Quelle est votre décision, Monsieur le témoin? You want to give your answer to the question, that whether or not you gave an order to the security guards to bring ethnic Jirai to be killed. That is the question. Les Jirai pour qu'ils soient exécutés. The order. Telle était la question. And the question is that whether or not you directly order à savoir si vous avez directement to bring those Jirai to be killed. Ou so non, this is que les Jirai soient a amenés incriminating pour être question exécutés. Je against sais que you. Une so you may de nature à vous incriminer. Decide to answer vous to the question. You want answered question. A question which incriminates you a while ago. Vous avez déjà répondu so now à I am telling you as the president of the chamber that this question is incriminating you, que cette question may incriminate you in the de nature executing of the actions during the Democratic Cambodia, particularly during the time that you were working at Open Science Security Center. Do you understand that, Mr. Witness? If you understand my explanation, you can decide to answer or not. So I have explained to you already about this question. Je vous ai déjà donné les fondements et toutes les explications concernant la question. À vous de décider de répondre ou non. Answer. I do réponse. Not respond to the question, Mr. President. Je ne répondrai pas à la question, Monsieur le Président. Let me read to you. La défense. Mr. Witness, permettez-moi de vous donner lecture. Something that maybe duty counsel should not advise his client when the microphone peut-être is on. Peut-être que le conseil de permanence ne devrait pas conseiller son client à micro ouvert.
President. Le président. You have been working as a duty counsel so far. Vous avez travaillé jusqu'ici en qualité de duty counsel. Et vous devez donc connaître et comprendre and the consultation votre rôle. Should be done in confidential manner, and then the decision can be made by the witness whether or not he wants to answer the question. When you consult, when the witness consults with you, you should turn off the microphone. The confidentiality is that you two should discuss among yourself, not to allow the public to be informed of your discussion. So be informed of that. Sans que le public ne connaisse de la teneur de vos entretiens. Maître Copper, vous pouvez reprendre votre interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, Chamsi a parlé aux enquêteurs du bureau des juges d'instruction à propos des Jirai. Et j'aimerais vous donner lecture des extraits de son procès-verbal d'audition, c'est le 2-3-94-59, questions and answer 24, réponse 24, 26-27. Let me start with question and answer 24. Je commencerai par la question-réponse 24. So Chamsi is saying the following, Mr. Witness. Monsieur le témoin. At the time, à ce moment-là, the Jirai people came from Vietnam. Les Jirai venaient du Vietnam. And they were taken to be killed in Ban Lung. Ils avaient été amenés pour être exécutés à Ban Lung. At the time, soldiers à came. À cette époque, des soldats. And borrowed my place in Ban Lung to kill those people. Emprunter ou occuper les lieux où je me trouvais à Ban Lung. Yes, pour exécuter ces Jirai. From Vietnam. 26. Oui, ces Jirai provenaient du Vietnam. The ready borderline of Division 801. Est arrêté et amené par des soldats de la Division 801, Régiment 81, stationné question, à la ligne du feu frontalière. Answer, the military. Qui a exécuté ces Jirai? Réponse. Les militaires avaient amené les Jirai, et c'est eux qui les avaient exécutés. Ce n'étaient pas les militaires ou les soldats du secteur. And in, his testimony, in 2-1, dans sa déposition, E1/177.1, E1/177.1 à 9h53, he says that the capture of the 100 Jirai was the sole discretion of Tasu Sarun. Relevait de la seule discrétion de Tasu Sarun. Mr. Witness, Chamsi, Monsieur le témoin, might be shedding some lights on who was responsible for the alleged killing of the Jirai. Un éclairage sur les personnes responsables de l'exécution présumée des Jirai. Pouvez-vous réagir à sa déclaration? Were the Jirai killed by the soldiers les who had brought them in earlier? Les Jirai étaient tués par les soldats qui les avaient amenés? Were the killers other people? Ou les tueurs étaient d'autres personnes? Answer. Regarding the réponse. Killings of Jirai people, en ce qui concerne l'exécution des Jirai, that task was performed by Tim, the deputy of Sai. Elle a été effectuée par Tim, l'adjoint de Sai. So are you saying that Chamsi is la défense. Voulez-vous not dire telling the truth, then? Que Chamsi ne dit donc pas la vérité? What are you saying? Is Chamsi's testimony incorrect? Est-ce que la déclaration de Chamsi serait-elle incorrecte? C'est ce que vous voulez dire? Answer. I can only tell what I have known. I cannot tell anything beyond my knowledge.
Je ne peux rien ajouter de plus. I agree, Mr. Witness. La défense, je suis d'accord, Monsieur le témoin. Trying to establish whether mais j'essaie d'établir Champsay is shifting the responsibility si away, Champsay essaie de rejeter la responsabilité sur d'autres personnes, notamment les soldats de la division 801 qui avaient procédé à l'arrestation de Charaï, ou si lui-même, par l'entremise de son adjoint, était impliqué dans l'ordre qui avait été donné d'exécuter ces Charaï. Answer. Réponse. We performed our tasks based on our assigned duties. Nous acquittions de notre mission d'après les tâches qui nous étaient confiées. Yes. Question mark. La défense. Mais encore. Is there anything you would like to add, Mr. Witness? La défense. Avez-vous autre chose à ajouter, Monsieur le témoin? Champsay was involved in the ordering of the killing, or êtes-vous en train de dire que Champsay était impliqué? Is he right, and was it rather the military who had brought the Jarai people in? Donné de tuer ces Jarai, ou était-ce les militaires qui avaient amené ces derniers pour être exécutés? Answer. I did not implicate anyone, and I do not shift my responsibility to anyone. At Organ Science Security Center, we performed our duty as assigned, so we had different tasks to do. Nous étaient confiées, et nos tâches étaient différentes de celles-là. Thank you, Mr. Witness. It is now break time. Chamber will take a short break from now until 5:03. Va suspendre l'audience jusqu'à 15h05. And Mr. Witness, please be present at Monsieur the place témoin, where you are sitting now before 5:03. Veuillez être prêt pour la reprise de l'audience. So we will resume at 5:03. The call is now à in recess. À 15h05, l'audience est suspendue.